va trouver celle de l'année passée. Oh! Ici. Hein? C'est pas beau ça? Tout le monde! Vlog numéro 11, spécial ultra-marathon. Cette semaine, on va avoir l'accessoire de la semaine, le courrier de la semaine et notre invité, Pierre Fauché. Et on commence avec l'accessoire de la semaine. Accessoire de la semaine! Ok, appliqué partout où ça frotte, le touch. Souvent en ultra-marathon et longue distance, plus la distance est longue, plus on a tendance à avoir des irritations, donc... Pensez-y deux minutes, partout où ça frotte avant de partir, on en met. Merci. On poursuit avec mon moment préféré, le courrier de la semaine. Courrier de la semaine! Cette semaine, on a une boîte, encore une fois, un peu bruyante. Je vais besoin de mon exacto, s'il vous plaît. Ah ouais, ça pourrait marcher. La pompe Joe Blow, est bonne pour tout. Et voilà. Cette semaine, la question... nous vient de Régent de Pontiac qui dit « Matt, on sait que tu as fait le 100 km du MRSQ la semaine passée. Comment ça va ta récupération? » Super bonne question, Régent. C'est certain que la récupération après une épreuve comme ça, mais tu sais, c'est 9 heures et plus, c'est quasiment 10 heures de course entremêlée d'une nuit blanche à travers ça parce que le départ est à minuit. C'est certain que le corps, ça y prend un certain temps à récupérer. Dans mon cas, c'est comme une découverte à chaque fois parce que j'en fais pas tant souvent non plus. C'est sûr que moi, je me donne un bon 7 à 8 jours pour retrouver mes esprits, pour revenir le coureur que j'étais. Mais c'est certain que j'en garde d'avant tout une expérience ultra positive d'avoir fait ça. Ça fait découvrir aussi jusqu'à quel point le corps peut pousser ses limites. Et sans plus tarder, je fais apparaître mon invité de la Chine, pas le pays, la ville, Pierre Fauché. Hey Pierre! Hey, enchanté! Hey Pierre, je suis vraiment content, on est vraiment content, point spécial de te recevoir ici. Merci beaucoup. Pierre, tu sais, moi plutôt on se connaît, on est deux passionnés, je pense, on s'est entraîné quelques fois ensemble, on échange beaucoup sur la course. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, c'est pour ça que je voulais que tu viennes au vlog. C'est quoi un ultra-marathon? Ben, un ultra-marathon, essentiellement, pour le rendre le simple pour les gens, c'est n'importe quoi qui est plus long qu'un marathon. Une distance de marathon, c'est 42,2 km. Alors, au-delà de ça, on appelle ça un ultra-marathon. Puis normalement, ça commence à 50 km, les compétitions. Oui, c'est ça. Il y a pas, il y a juste des 50 km qu'on peut, qui ouais. Est plus. OK. Et... Pierre, premièrement, c'est quoi le MRSQ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les lettres MRSQ, les gens l'appellent comme ça, la course, mais en fait, ça veut dire, en anglais, parce que c'est un anglophone qui l'a commencé, c'est le Mount Royal Summit Quest. Donc, la quête du Mont-Royal. Donc, la quête du Mont-Royal. Donc, c'est l'idée de faire ce parcours-là, et quand on finit les derniers 6 km, il faut monter le Mont-Royal, après soit 50 ou 100 km, et finir la course. Donc, on... D'où le nom. Okay. C'est comme ça que ça... c'est ce que le nom veut dire. OK. Puis la course, c'est quoi les distances offertes? C'est ça, c'est le 50 et le... Il y a deux distances. Il y a la distance de 50 km et la distance de 100 km. C'est pour ça qu'on commence le 100 km à minuit et on se rend au point de départ du 50 km. Ensuite de ça, tout le monde rebrousse chemin jusqu'au Mont-Royal. Pour que tout le monde finisse à peu près ensemble dans les mêmes heures. Dans les mêmes heures, en dedans de quelques heures. Pour que un moment donné, l'organisateur peut s'aller se recoucher. Pour qu'il puisse finir sa journée parce que la journée est longue. Parce que des petites pancartes comme ça, je pense qu'il en a posé beaucoup sur le parcours, le monsieur. Oui, puis après ça, il faut aller les enlever. Puis moi, juste une petite anecdote comme ça. Pendant le 100 km cette année, je revenais du Tim Horton. Il y avait une pancarte à terre
qui était revirée à l'envers, puis qui est quand même assez importante sur le parcours, que les gens auraient pu complètement dire, mais où est-ce qu'on s'en va? Fait que je suis reviré, puis j'ai dit, je l'ai réinstallé, tu sais, avec l'aide de Gio qui me suivait. On l'a réinstallé, puis tout de suite après, j'ai vu Pierre en auto, qui lui, Pierre, il se promenait sur le parcours. On s'est vu peut-être 5-6 fois dans la journée, ouais, sur le parcours, parce que c'est sa job là, en tant qu'organisateur. Fait que j'ai dit, Pierre, t'as une pancarte, je suis pas sûr qu'elle va tenir le coup, là, on l'a replacé, là, mais. Fait qu'il a dit, OK, merci, puis il est reparti. Ça, c'était quand même très, très bon, là. Ouais. Pierre, cette course-là, elle a commencé en 2003. Ouais. 2003, un nommé Peter Collins, qui est un ami à moi, un bon coureur, un marathonien, a commencé cette course-là, en fait, pour s'entraîner pour des 50 km. Alors, il a ramassé 10 coureurs qu'il connaissait, puis ils ont dit, on va s'en aller jusqu'au Mont-Royal. Et puis, si on se rend, tout le monde se rend, je vous donne une médaille. La course, elle a commencé comme ça. La première fois. La première fois. Et à travers les années, ben, elle a évolué. Ils ont rajouté des distances. Et puis, moi, j'ai pris la course, j'ai pris contrôle de la course en 2012. OK. Oui. Puis, même que tu la cours des fois. Je l'ai couru, j'ai fait le 100 km trois fois, l'année passée, le 50 km. Cette année, je ne l'ai pas couru parce que je prépare une autre course. Tu prépares une belle grosse surprise pour toi, Alexandre. Oui. Cool, on en parlera tantôt. Okay. J'ai eu énormément de questions dernièrement, vu que je vais courir 100 km. J'ai lu beaucoup là-dessus. Les gens veulent savoir, ce que moi, je veux informer les gens, ils me demandent comment on en vient à courir un ultramarathon, comment on en vient à faire un 100 km. Toi, dans ton cas, c'est comment que tu expliques? Cette évolution-là? Ben, c'est une évolution normale. Je pense que tous les gens qui commencent à courir, tu fais un 5 km, après ça, tu dis, ben, je vais faire peut-être un 10 km, éventuellement, je vais peut-être faire un demi-marathon, etc. C'est l'extension normale. C'est la prochaine étape après avoir fait des marathons 42.2. Là, à un moment donné, on dit, oh, on va aller faire ce qu'il y a au-delà de ça. La distance est plus longue. Alors, les gens commencent comme ça. Et puis, je pense que quand tu commences à courir, tu fais un 50 km, la prochaine chose, tu te dis, OK, je vais en faire plus, 60, 80, 100, ça augmente. T'sais, puis, on devient un petit peu accro à ça. C'est un petit peu. Les gens ne comprennent pas. Moi, en fait, ma femme. Ben, c'est une belle naïveté à chaque fois, je trouve. Oui. C'est complètement. On est comme pas conscient de ce qui s'en vient, même si on le sait. Mais c'est quand tu le fais, tu te dis, aïe, aïe. Il y a des moments assez sombres là, dans un 100 km. Là, pour l'avoir vécu, c'est pas toujours drôle. Là. Non. Puis il faut s'entraîner en conséquence aussi. Je pense que comme n'importe quelle course qu'on fait, n'importe quelle épreuve, il faut s'entraîner. Ça demande une discipline, ça demande des heures d'entraînement. Donc on fait pas ça à la légère. Mais je sais pas si tu es effectivement préparé quand tu arrives à la journée. tu te lances un petit peu dans le néant. Tu m'as fait rire tantôt en disant ben, c'est 90% mental puis 10% mental. C'est à peu près ça. Oui. Puis aussi, Pierre, je voulais te mentionner que j'ai fait le 50 l'année passée, j'ai fait le 100 cette année. Les deux années, ça a été mon coup de cœur, sans aucun doute. Je la conseille aux gens qui veulent commencer. Leur premier ultramarathon, c'est comme l'idéal. Pourquoi? Je dirais parce que le MRSQ, c'est un ultramarathon urbain, moi je l'appelle comme ça. On court sur la route, donc c'est assez près des gens qui ont fait des marathons. Parce que courir en trail, c'est autre chose. Beaucoup des ultramarathons se font en trail dans des terrains très accidentés. C'est pas pour tout le monde, c'est dangereux, c'est très technique. Quelqu'un peut arriver et a déjà fait un marathon, puis là, il va se dire, c'est juste 8 km de plus. C'est tout le temps ça que je dis. Pour faire 50, mais c'est accessible. 7,8 en fait. Oui, et puis j'ai des gens, moi, qui viennent faire à toutes les années leur premier 50 km, des gens qui n'auraient jamais pensé être capables de le faire, et ils le réussissent. C'est un petit peu la même chose pour le 100 km, où les gens viennent faire leur premier 100 km, qui est sur route, et ils finissent sur le Mont-Royal. Je tiens à souligner aussi, le nombre de ravitaux est impressionnant. Sur le retour du 100 km et pour ceux qui font le 50, je pense qu'il y en a à toutes les 7-8 km. Oui, puis ça, je remercie mes bénévoles. J'ai une équipe de bénévoles. C'est tous des gens qui font ça pour le plaisir et la passion et l'amour. Les gens sont très, très sympathiques. Il y en a que c'est des coureurs, il y en a qui ne le sont pas, mais les gens, ils viennent toutes les années. Il y en a des nouveaux qui viennent aider et puis ils préparent pour s'assurer que les coureurs ont
manque de rien. J'étais très surpris du nombre de bénévoles qui me connaissaient sur le parcours. Oui, t'es un petit peu connu, je pense. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui te connaissent. Puis d'ailleurs, on s'est assuré d'avoir du coke à une des stations parce que l'année passée, une de mes bénévoles avait dit « Ah, il y a un grand barbu, et il n'y avait pas de coke, il n'était pas content. » C'est que cette année, il y en a bu, puis on en avait. Mais là, pas content, là. Je n'étais pas fâché, là, maintenant. Non, t'es un grand ours, ouais. Tout doux. Pierre, je peux pas t'inviter ici sans passer sous silence que toutes les nombres de fois que tu as fait le marathon de Boston. Moi, ça impressionne beaucoup de gens aussi. Tu veux ça? Hein? Pas pire, pareil, ouais. Hein? C'est du budget, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois Boston, en combien d'années? J'ai commencé en 2008. Là, j'ai une séquence, j'en ai 8 de fait, j'ai une séquence de 7. Je retourne pour le 9e. Puis, tu en as manqué un, en fait. J'en ai manqué un en 2009. Et puis, ça te tentait pas? Non, ma femme voulait pas que j'y aille parce que je venais de commencer à faire des marathons, puis elle m'avait dit « tu vas pas faire ça à toi les années ». J'ai dit non, mais je suis retourné, puis là je ne l'ai plus jamais réécouté depuis ce temps. Ah ok, c'est ça, j'en allais dire, tu l'as gardé quand même? Oui. c'est bon, je sais que t'as une super bonne femme. Mais ça, c'est vraiment spectaculaire, tu y retournes l'année prochaine? J'y retourne l'année prochaine, mon objectif c'est d'en faire 10 consécutifs, donc d'ici 2019, quand je vais avoir 59 ans, j'en aurai fait 10. Consécutif. Alors, c'est ça mon objectif. Faut que je me qualifie à toutes les années pour y aller parce que Boston, il faut se qualifier. Donc, tu te qualifies là? Là, je me qualifie avec des temps en bas de 3h10. Donc, je suis encore bon pour y aller, je pense, pour quelques années. Puis, qu'est-ce qui est remarquable pour toi, Pierre, c'est que tu t'améliores même encore à 56 ans. Oui, j'ai fait mon meilleur temps à Boston de 3h11 cette année à 56 ans. Puis je continue à vieillir. Fait que là, j'espère descendre en bas de 3h10 l'année prochaine. Un message, OK, aux gens qui ont quarantaine avancée puis qui me disent « Ouais, mais je peux pas commencer à courir à mon âge. » Regardez. Et voilà. Pierre, avec toi, je pense qu'on avait du matériel pour faire 3 vlogs. T'as 2 valises qu'on a même pas ouvertes, pleines de stock. Tu m'as apporté pas mal d'affaires. J'ai hâte de voir c'est quoi, après. Non, mais pour vrai, tu t'en vas faire l'épreuve de ta vie, le 120 km, la petite trotte à Iwan à Saint-Donat. Oui, en fin de semaine. T'es-tu prêt? Oui, je me suis entraîné très très fort avec mon partner de course. Pour les gens qui veulent figurer un petit peu, tu prévois faire ça en combien de temps? 120 km de trail extrême? Minimum 24 heures, 25 heures, on verra. Je pense qu'on a une limite de 27 heures pour faire l'épreuve. C'est incroyable, il y en a qui font des sommes là, dans cette course-là, ils se couchent. Là. Oui, on va pouvoir faire un petit dodo si on veut, puis on va pouvoir manger. Il faut manger, boire constamment pendant l'épreuve. Ceux qui ne savent pas, dans cette épreuve-là, il y a une portion qui s'appelle le Vietnam. Oui, on a de l'eau jusque-là, il y a de la bouette partout. C'est un parcours qui est difficile à faire juste sur la distance de 38 km et 60 km. Alors là, ça va être deux fois le... C'est l'aller-retour. C'est l'aller-retour du parcours de 60 km, oui. Non, mais Pierre, le coin du pédaleur te souhaite la meilleure des chances et moi-même. Merci beaucoup. Merci. Puis c'était cool. Hey, Pierre, je voulais te dire, on a un gros cadeau à t'offrir pour ton 120 km, OK? Parce que tu vas en avoir besoin, c'est sûr. Touch! Partout où ça frotte. Ah, merci. Je sais où je vais m'en mettre tout de suite, là. Je me doute.